you feel like a room without. Passies waren de vierde Isabel Marie. Elle habite à Québec, au Canada. Un jour, Marie décide d'aller voir son ami Pierre. Il habite très très loin à Paris, en France. Elle ne sait pas comment elle peut y aller. Elle pense son problème. Je veux aller voir mon ami Pierre. Il habite très très loin à Paris. Comment est-ce que je peux t'aider? Oh, je sais. Je peux aller à pied? Oui, c'est vrai. Marie marche et marche. Tout à coup, elle voit quelqu'un qui conduit une auto. C'est une policière. Marie traverse la rue et dit: Bonjour, policière. Je m'appelle Marie. Bonjour Marie, est-ce que je peux t'aider? Oh merci, oui merci, je veux aller voir mon ami Pierre, il habite très très loin et je suis fatigué. Alors, est-ce que je peux aller en auto avec vous? D'accord Marie, viens avec moi. Marie monte dans l'auto avec la policière. Après quelques minutes, l'auto s'arrête, elle ne marche pas. Je suis désolé, Marie, mais l'auto ne marche pas. Marie marche et marche encore. Tout à coup, elle voit quelqu'un qui conduit un train. Bon. Le conducteur, Marie dit. Bonjour, conducteur. Je m'appelle Marie. Bonjour, Marie. Est-ce que je peux t'aider? Oui, merci. Je veux avoir un ami, Pierre. Il habite très très loin et je suis fatigué. Alors, est-ce que tu peux aller en train avec vous? D'accord, Marie. Moi avec vous. Marie monte dans le train avec le conducteur. Après quelques minutes, le train s'arrête. Il ne marche pas. Je suis désolé, Marie, mais le train ne marche pas. Vraiment? C'est dommage. Mais merci quand même. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Marie marche et marche encore. Tout à coup, elle voit quelqu'un qui conduit un bateau. Marie marche et marche encore. Tout à coup, elle voit quelqu'un qui conduit un bateau. C'est un capitaine, Marie dit. Bonjour, capitaine. Je m'appelle Marie. Bonjour, Marie. Est-ce que je peux t'aider? Ouais, merci. Je veux un ami, Pierre. Il habite très, très loin et je suis fatigué. Alors, qu'est-ce que peut il aller un bateau avec vous? D'accord, Marie. Viens avec moi. Marie monte dans le bateau avec le capitaine. Après quelques minutes, le bateau s'arrête et ne marche pas. Désolé Marie, mais le bateau ne marche pas. Vraiment, c'est dommage. Mais merci quand même. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Marie saute dans l'eau et nage, tout à coup, en haut, dans le ciel, elle voit quelque chose qui vole. Il y a quelqu'un dedans, c'est une extraterrestre qui conduit une soucoupe volante. Marie dit. Marie saute dans l'eau et nage, tout à coup, en haut, dans le ciel, elle voit quelque chose qui vole. Il y a quelqu'un dedans. C'est une extraterrestre qui conduit une soucoupe volante. Marie dit. Bonjour, extraterrestre. Mais l'extraterrestre ne t'entend pas. Alors, Marie crie. Bonjour, extraterrestre. L'extraterrestre te sent sur la terre. Bonjour, extraterrestre. Je m'appelle Marie. Marie, je m'appelle Zozo. Est-ce que je peux t'aider? Oui, merci. Je veux aller mon ami Pierre, il habite très très loin et je suis très fatigué.
Allo, est-ce que je peux aller à le secours volant avec vous? D'accord, Marie, viens avec moi. Marie monte dans la soucoupe volante avec Zozo. Après quelques minutes, la soucoupe volante arrive à Paris. Merci Zozo, je suis tellement content d'être ici. De rien Marie, au revoir. Stop. Marie voit à la maison de Pierre et frappe à la porte. Elle parle avec sa mère. Je suis désolé. Oh nee, mon ami Pierre. Où est Pierre? Je suis désolé, Marie. Pierre est parti en voir à Québec avant. Oh non, qu'est-ce que je fais maintenant? La fin!